Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue encore une fois sur ma chaîne. Comme promis auparavant, on va continuer avec les systèmes oscillants avec une série d'exercices sur les oscillateurs. Donc on va faire un premier exercice sur le pendule élastique. On va étudier trois cas quand il est horizontal, vertical et oblique. Et après, on va passer à une deuxième partie, on va la consacrer à un exercice concernant le pendule de torsion. Et on finira avec un exercice sur le pendule pesant. Alors, commençons par la partie numéro 1. Il s'agit d'un exercice sur le pendule élastique. On va étudier trois cas. Quand il est horizontal, donc on va commencer par le cas où il est horizontal. Donc soit le pendule élastique constitué par un solide S de masse M, 400 g, et d'un ressort de raideur K, 40 Nm-1. Tout au long de cet exercice, on négligera les frottements. Donc il faut bien lire, l'énoncer et souligner les mots qui sont pertinents, comme par exemple le mouvement se fait sans frottement. On prendra G égale à 9,8 Nm-1 et on considérera l'état où le ressort, ou bien on considérera l'état où le ressort est non déformé comme état de référence pour l'énergie potentielle élastique. Là aussi, il faut souligner cette donnée-là. Et le plan horizontal, c'est égal à 0 comme état de référence pour l'énergie potentielle de pesanteur. On place au pendule élastique sur un banc à coussin d'air pour que le mouvement soit sans frottement. Horizontal, donc dans le premier cas, on va prendre ce coussin d'air horizontal. On déplace le corps S horizontalement vers la droite d'une distance X0, on va noter X0 égale à 2 cm. Et on le relâche sans vitesse initiale à l'instant T égale à 0, sans vitesse initiale. Donc, à T égale à 0, X0 égale à 2 cm et V0 égale à 0 mètres secondes moins 1. Et on nous demande d'écrire l'expression d'énergie mécanique de ce pendule. Donc on va donner l'expression seulement, on demande seulement l'expression. Deuxième question, déduire l'équation différentielle de son mouvement. C'est-à-dire quand on nous demande déduire, c'est-à-dire on va déduire ça de la question numéro 1, c'est-à-dire l'expression d'énergie mécanique sans faire l'étude depuis le début. Donc, troisièmement, il nous demande de calculer la période de ces oscillations. Et enfin, il nous demande de calculer la vitesse de son inertie G du système à son passage par la position d'équilibre. Et la question numéro 5, on passe quand il est incliné. Donc, on va voir ça après. Alors, toujours dans ce genre de cas, en mécanique en général, donc, il faut faire un petit schéma illustrant les données, bien sûr, et bien sûr, il faut déterminer le référentiel par rapport à lequel on étudie le mouvement et un repère lié à ce référentiel et bien sûr déterminer le système étudié, bien préciser le système étudié. Donc on va faire tout d'abord un petit schéma. Alors là, je vous présentais un petit schéma. Ça c'est le vent à coussin d'air. Bon. À coussin d'air. Donc, et là c'est le ressort et c'est le solide S. Donc le repère, bien le référentiel par rapport à lequel on va étudier le mouvement du système, ça sera le sol qu'on va considérer comme référentiel galilien. Le repère associé à ce repère, ça sera le repère cartésien OIGJK. Donc l'origine de ce repère, toujours dans ce cas du pendule, ça sera la position
d'équilibre, c'est-à-dire dans notre cas, quand il est horizontal, la position d'équilibre, c'est là où la position de son extrémité, quand il n'est pas déformé, on va s'y poser à ce niveau-là. Donc, OX, l'origine, ça sera en haut, donc ça sera OI, et là, ça sera l'axe X. Donc l'axe ascendant va prendre ici l'axe Z, donc ça sera K dans notre cas. Donc X, Y, donc pour Y, ça sera vers l'intérieur du tableau. X, Y, donc pour que ce triangle soit orthonormé direct. Donc pour savoir, il suffit d'utiliser la règle du turbochamp, donc de X vers Y, donc comme ça j'aurai l'axe Z vers le haut. Alors après je commence, pour l'état de référence d'énergie potentielle élastique, ça sera à cette position là, c'est-à-dire à X égale à Z égale à 0. Alors que pour l'état de référence pour l'énergie potentiel d'opposanteur, d'après l'énoncé, c'est ce plan-là, horizontal, contenant X, Y et Y. Donc, E, P, P, Z de 0, ça sera à ce niveau-là. Donc, maintenant, je peux commencer à répondre à ma question. À mes questions. Donc, la première question, il nous demande l'expression de l'énergie mécanique. Donc d'après le cours, ce qu'on a vu en cours, donc l'énergie mécanique en général, c'est la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Alors cette énergie potentielle peut être l'énergie potentielle élastique dans notre cas, plus l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, pour l'énergie potentielle de pesanteur, l'altitude ou bien la côte Z ne change pas au cours du mouvement de l'oscillateur. Donc, il se fait dans ce plan, bien suivant l'axe OX seulement. Donc, il n'y a pas de ce genre-là, donc Z reste constant. Donc c'est-à-dire que l'énergie potentielle va rester, d'opposanteur va rester constante. Puisqu'elle va rester constante, donc elle va être égale à l'énergie potentielle d'opposanteur à cette altitude, c'est-à-dire à Z égale à 0, qui est égale à 0. Donc je peux prendre EPP égale à Z égale à 0. Donc l'expression d'énergie mécanique sera écrite sous cette forme-là. Donc pour l'énergie cinétique, c'est 1 demi m x point au carré plus l'expression d'énergie potentielle élastique, d'après la définition, c'est 1 demi k pour un module élastique, bien sûr, 1 demi k x au carré, avec x ici, c'est représente l'allongement. Hein. Faites bien attention à ça. X ici représente delta L, c'est-à-dire la longueur quand il est allongé par exemple ou compressé, moins L0, c'est-à-dire la longueur du ressort quand il n'est pas déformé. Dans notre cas, ça sera L0, ça sera ici, et L, ça sera d'ici jusqu'ici. Alors, quand il est comprimé, la même chose. Donc, toujours L moins L0. Faites bien attention à ce point-là quand vous êtes en train de calculer l'énergie potentielle élastique. Bien sûr, plus une constante qui dépend de l'état. Donc, ça, c'est l'énergie potentielle élastique qui dépend de l'état de référence d'énergie potentielle. Alors, dans notre cas, ils ne disent que l'énergie potentielle à x égale à 0, ça sera égal à z égale à 0. Donc, si je remplace ici par 0, donc j'obtiendrai que cette constante-là égale à z égale à 0. Donc, l'expression qui nous est demandée, c'est le m égale à 1 demi m x point au carré plus
1 demi kx au carré au carré. Et j'encadre le résultat demandé, donc c'est ce qui est demandé. Alors pour la deuxième question, ils nous disent de déduire à partir de la question précédente. Toujours quand ils vous demandent de déduire, il faut toujours réfléchir à ce que vous avez trouvé aux questions d'avant. Alors, l'équation différentielle à partir, donc on sait dans notre cas, donc tout d'abord, l'équation différentielle. Déduire l'équation différentielle. Donc d'après l'énoncé, le mouvement se fait sans frottement. Donc le mouvement se fait sans frottement. Cela implique de dire que l'énergie mécanique reste constante, c'est-à-dire il ne varie pas au cours du temps. C'est une constante. Alors si elle est constante au cours du temps, si je la dérive par rapport au temps, ça sera égal à zéro. Donc ceci va me donner que d de m par rapport à d de t égal à zéro, et je dérive l'expression d'énergie mécanique par rapport au temps. Ce qui va me donner d de m sur d de t, donc je dérive l'expression par rapport à x, ça sera égal à 1 demi fois 2 x point fois x de 2 points. Donc ça c'est, vous avez vu ça en mathématiques, comment dériver une fonction bien de ce genre-là, donc c'est pas la peine de rappeler ça. Donc ça sera égal à 1 plus 1 demi, car là aussi j'obtiens 2 fois x, x point, voilà, x point. Et d'après ça, ça, tout ça va être égal à 0. Donc je simplifie par le 2, je simplifie là aussi par le 2, et je mets en parenthèse ou bien mon facteur x point, ce qui va me donner donc x point fois m x de point plus là aussi kx va rester kx égal à 0. Alors ce qui va me donner que m x de point plus kx égal à 0. Donc au cours du mouvement, x point ne peut être pas égal à 0, c'est-à-dire à l'instant t. Comme ça. Donc je peux obtenir directement l'expression suivante. Donc ça sera m x du point plus kx égal à z égal à 0, ce qui me donne x du point plus k sur m x égal à 0. C'est ce qui est demandé, c'est l'équation différentielle d'un oscillateur harmonique, c'est-à-dire sans frottement et libre de sceller. La question numéro 3, elle me demande la période T0. La période T0. Alors là, vous pouvez retrouver cette expression-là. Alors là, une équation différentielle d'un oscillateur harmonique. Donc la solution est sous la forme de x de t, xn fois cosinus de pi sur T0 fois t plus. Donc, je peux dériver cette solution-là une première fois, puis une deuxième fois, j'obtiendrai une expression pour x de point, je remplace dans l'équation différentielle et je retrouve l'expression de T0. Donc, moi, je vais donner directement le résultat d'après le cours. Donc, on sait que T0 égale A de B racine M sur K. Et directement, je fais l'application numérique. J'ai M, c'est 400 grammes, donc ça c'est l'expression. Je fais l'application numérique. Dans ce cas, T0 va être égal à 2 fois B fois racine carrée, donc M c'est 400 grammes, c'est-à-dire 4 fois
10, 2, c'est 400 grammes, mais il faut convertir en kilo, en kilogramme, donc il faut multiplier par 10 moins 3 pour utiliser le système international. Je divise par 4, qui va me donner 40 newtons mètres moins 1. Alors, ça c'est 4 fois 10, qui va me donner T0 égale à 0,6 secondes, qui égale à 6 fois 10 moins 1 secondes. Donc, l'application numérique, c'est 6 fois 10 moins 1 secondes. Et j'encadre ma réponse. Faites bien attention aux applications numériques. Pour la question numéro 4, elle nous demande la vitesse V2G à son passage par la position d'équilibre. C'est-à-dire quand le pendule est en mouvement, à un instant il va passer, à des instants il va passer par la position d'équilibre, c'est-à-dire par O. Donc dans ce cas-là, je vais calculer V de X égale à Z égale à Z égale à 0. C'est-à-dire quand il passe, que je vais noter V0 comme ça directement. C'est-à-dire la vitesse de passage de cette position-là. Alors comment on peut trouver l'expression de V de V0? Donc il faut bien réfléchir. Vous avez l'expression d'énergie cinétique qui égale à 1 demi m x point au carré. Cela veut dire que EC en x égale à 0, quand il passe par 0, ça sera égal à 1 demi m. Donc je remplace x point par V0 parce que x point dans ce cas-là va être égal à 0. Alors du passage par la position d'équilibre. Donc ça sera V0 au carré. Alors, si je connais l'expression de EC, je peux trouver V0. Mais comment je peux trouver ça? Alors, il faut bien réfléchir à l'expression de l'énergie mécanique. Alors, pour l'énergie mécanique étant égale à une constante, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la valeur qu'il aura à cette position-là sera la même que qu'il aura en haut et en chaque point au cours du mouvement. Donc l'énergie mécanique en x0, ça sera égal à l'énergie mécanique en 0, c'est-à-dire en x égale à z égale à 0. D'accord? Alors pour l'énergie mécanique en x égale à 0, donc je vais détailler ça. Donc l'énergie mécanique en x égale à 0, en x égale à 0, c'est-à-dire dans ce cas-là, l'extrémité, dans ce cas-là, l'énergie cinétique sera égale à 0 et l'énergie potentielle sera maximale. Donc je peux écrire directement qu'il est égal à 1 demi k x 0 au carré. Ça c'est l'expression d'énergie potentielle élastique en x égale à 0. Donc l'énergie cinétique en x égale à 0, ça sera égal à z égale à 0. D'après ce qu'on a déjà vu. Quand l'énergie potentielle élastique est maximale, l'énergie cinétique est minimale, est nulle, bien sûr. Alors, d'après cette expression-là, en haut, j'aurai l'énergie mécanique en x égale à 0, ça. Donc, l'énergie mécanique en haut sera égale à l'énergie cinétique en haut, qui va être égale, bien sûr, à 1 demi m V0 au carré. Et comme ça, j'obtiens que 1 demi KX0 au carré égale à 1 demi V0 au carré. J'obtiens directement 1 demi KX0 au carré égale à 1 demi MV0 au carré. Alors, je peux simplifier par les 1 demi. Qu'est-ce qu'il va nous rester directement d'après l'arrêt que je peux écrire aussi sous cette forme-là, V0 égale à X0 fois racine de K sur M. Numérique V0. Alors là, X0, ça sera égal à 2 cm. Dans ce cas-là aussi, faites attention, c'est 2 fois 10 moins 2, convertir en mètres.
fois racine carrée de K, c'est 40, donc 4 fois 10, ce qui donne 2 mètres secondes moins. On passe au deuxième cas où le pendule est incliné par rapport à l'axe, au plan horizontal. Donc toujours les mêmes domaines, le référentiel d'étude c'est le sol, le repère, le même repère, le système c'est le soleil S. Alors, pour l'état de référence d'énergie potentielle élastique, c'est même position, on le ressort et non déformé, c'est-à-dire dans cette position-là, A. Donc A représente la position où le ressort est non déformé. Toujours pour la référence de l'énergie potentielle de l'opposanteur, ce sera le plan horizontal. L'angle d'inclinaison c'est alpha égale à 15. On déplace vers le bas à partir de la position d'équilibre. À partir de la position d'équilibre, c'est-à-dire il est en équilibre, donc cette figure-là représente l'état d'équilibre. Donc on écarte G de cette position d'équilibre O et on le relâche sans vitesse initiale. Donc il va osciller autour de cette position d'équilibre. Alors, dans ce cas-là, il faut bien faire attention. Donc X0 égale à ton centimètre, c'est-à-dire à partir de O jusqu'à l'extrémité maximale à laquelle on a écarté le soleil. Alors, dans cet exemple-là, les choses vont se compliquer un petit peu, mais on va essayer d'expliquer éventuellement les choses. Alors, faites bien attention. Donc, elle nous demande l'expression d'allongement à O du ressort à l'équilibre. C'est-à-dire, on cherche l'expression bien à O à l'équilibre. Et voilà, nous demande aussi l'expression d'énergie mécanique, équation différentielle et T0, la période d'oscillation du mouvement. Et on conclure. Alors, on va commencer par la première question. On cherche l'expression de A. L'expression de A. Ah, bon, bien sûr. Alors, pour AO, le soleil étant en équilibre, on va appliquer la condition d'équilibre, c'est-à-dire que la somme des forces extérieures appliquées au système égale vecteur au vecteur U. Les forces appliquées au système, c'est son poids. La réaction du vent, c'est-à-dire il n'y a pas de frottement, donc vers R. Donc, et T, bien sûr, la force de rappel du. Ou bien la force de rappel du ressort. Donc on va écrire T plus R plus P égale au vecteur U. Donc projection sur X, l'axe X. Dans ce cas-là, la projection de T va nous donner moins K à O. Je vais utiliser la valeur algébrique A à O. Plus la projection de R, c'est 0. Plus la projection de P. La projection de P sera mg sinus à alpha. On a déjà discuté ce genre de problème. Mg sinus alpha. Elle est dans le sens de x. Donc, il va être K à z égale à 0. Et comme ça, on obtient directement l'expression de AO. Donc, AO va être égal à mg sinus alpha sur K. Alors, ce A là, c'est le delta L avec lequel le soleil est allongé. Donc, si on fait l'application numérique, donc AO, donc on va obtenir, donc faites bien attention aux unités, c'est M, c'est en gramme ici, et K, il est en newton mètre moins 1. Donc, réfléchissez bien à. Alors, on va convertir la masse en kilogramme et on obtient la valeur qui va être égale à 2,5 cm. Alors, ça c'est pour la première question.
Donc, je vais poser ça ailleurs parce que j'en aurai besoin après. Donc, AO égale à MG sinus alpha sur 1. Vous effacez ça. Et je passe à la deuxième question. Alors, maintenant, à partir de cet état d'équilibre qui est O, je vais écarter le solide d'une distance x0 égale à 2 cm et je vais relâcher son vitesse initiale. Alors, dans ce cas-là, il nous demande l'expression de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique. Alors, pour l'énergie mécanique, toujours, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle élastique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, faites bien attention dans ce cas-là. L'énergie potentielle de pesanteur ne doit pas être nulle parce que on n'est plus à l'état horizontal. L'altitude change au cours du mouvement. C'est-à-dire, quand le soleil oscille, alors, son altitude va changer. Donc, l'énergie potentielle ne sera plus nulle. Donc, on va calculer on va donner l'expression de chaque énergie pour bien détailler les choses. Alors, j'avoue, en ce cas-là, les choses vont se compliquer un petit peu, mais si on fait attention, on n'aura pas de problème. Donc, l'énergie cinétique, c'est 1,5 mx point au carré. Ça, c'est facile. Alors, pour l'énergie, je vais commencer par l'énergie potentielle de pesanteur. L'énergie potentielle de pesanteur, ça sera égal à mg Z, d'accord, MGZ, avec Z, dans ce cas-là, c'est l'altitude, l'altitude à chaque instant. Alors, pour l'altitude, c'est de là, donc j'ai parlé ça, comme ça, donc de là jusqu'au là, à la Z, de là jusqu'au là, d'accord. Je vais chercher l'expression de Z. Alors, pour Z, c'est quoi Z? Faites bien attention là. Alors, de là jusqu'au là. Donc, je vais prendre ce point-là, je vais l'appeler par exemple B. J'ai exprimé là. Alors, dans ce triangle-là, je vois bien que ça, c'est alpha. Donc, si je trace ça comme ça, donc la position M, là, c'est l'extrémité bien D, ce point-là, qui appartient à l'état horizontal. Donc ça, c'est Z, et ça, c'est alpha. Donc, l'expression de Z en fonction de MB, je peux écrire sinus alpha égale à Z sur MB. Je vais noter avec notation algébrique. Cela veut dire que Z, ce n'est que MB sinus alpha. Sinus alpha. Donc Z, c'est MB sinus alpha. Alors, pour l'expression de MB, alors MB, je peux l'écrire sous la forme de OB moins OM. Ça sera OB moins OM. D'accord? C'est OB moins OM. C'est MM. C'est M. D'accord. Alors, pour OM, O jusqu'à M, ce n'est que X. Ce n'est que X. Donc, ça sera égal à OB moins X. Alors, je peux écrire maintenant l'énergie potentielle de pesanteur sera égale à mg fois mb sinus alpha fois mb, mb c'est ob moins x, c'est bon. Donc ça c'est pour l'énergie potentielle de pesanteur, je l'ai écrit en fonction de x. Alors, pour l'énergie potentielle élastique, c'est 1,5
cas d'après l'expression. Je vous ai conseillé, dernier chapitre, d'exprimer de, la tension en fonction de delta, delta L signe. Au cas, au lieu d'utiliser X. Donc, pour delta L dans notre cas, c'est quoi delta L? C'est AN, d'accord? C'est delta L, c'est AN. Parce que delta L, c'est de partir de A jusqu'à N. C'est A. Donc, ça sera égal à 1 demi K AN au carré. Et AN au carré, ce n'est que AO plus ON. AN, c'est AO plus ON. Donc, il va me donner 1 demi K AO plus ON. Plus ON. Alors, ON, c'est quoi? C'est X. Donc, l'expression que je vais faire ici. Donc, l'énergie potentielle élastique sera égale à 1 demi K A O plus X. Donc, j'ai écrit aussi l'énergie potentielle élastique en fonction au carré. Hein? J'ai oublié au carré, toujours. Donc, ce sera au carré. Donc, vous voyez bien la différence entre ce qu'on a fait. Donc, c'est pour cela que je vous ai conseillé toujours d'utiliser delta L, c'est signe. Delta L, c'est L moins LZ, L0, c'est AN. Donc, ça, c'est l'expression générale. Ne prenez pas les choses par cœur. Alors, d'où vient ce AO? Parce que là, le plan est incliné. On étudie par rapport à l'état d'équilibre. Donc, s'il est horizontal à l'état d'équilibre, on n'aura que la longueur du ressort au repos, ça sera cette distance-là. Donc, A vraiment, va être confondu avec O. Mais dans ce cas-là, non. Donc, faites bien attention et comprenez bien ce que vous faites. Alors maintenant, on peut écrire l'expression d'énergie mécanique. Donc l'expression d'énergie mécanique, c'est la somme. J'écris Mg, donc je vais commencer par 1 demi M x point au carré, plus, donc EPP sera 1 demi K AO plus x au carré. Plus l'énergie potentielle de pesanteur, c'est Mg sinus alpha fois OB moins X. Moins X, c'est ça l'expression d'énergie mécanique. C'est ça l'expression d'énergie mécanique. Et normalement, l'équation différentielle. Donc, pour l'équation différentielle, comme toujours, on a l'habitude de faire. Donc, pas de frottement. Donc, cela implique que l'énergie mécanique est constante. Cela implique que si je dérive d de m par rapport au temps, va être égal à zéro. Donc, je vais dériver cette expression-là par rapport au temps. Donc, d de m sur d de t. Donc, je dérive le premier terme. Donc, ça sera 2, avec 2 va partir. Donc, va rester m, x point, x 2 point. Plus, je dérive cette partie-là. Là aussi, le 2 avec le 2 va partir. Il va rester k fois ao plus x fois la dérivée de l'intérieur. Donc, ça sera x point. Plus, la dérivée de ça va nous donner mg sinus alpha. Donc ça c'est mg en t. Donc ça sera moins. Fois la dérivée de x. Ça sera x point. Et de x sur du, ça sera x point. Alors, de cela va être égal à 0. Donc, je mets un facteur x point. Qu'est-ce qu'il va nous rester? Il va nous rester m x2 point
plus K fois AO plus X moins MG sinus alpha égale à Z égale à 0. Égale à Z à 0. Alors, d'après cette expression-là, on a déjà trouvé l'expression de AO. AO, ce n'est que KAO. Donc, KAO. Voilà. Donc, je vais détailler ça un petit peu. Donc, ça sera MX de point plus KAO plus KX moins MG sinus alpha égale à Z. Égal à 0, seulement pour vous montrer l'expression de K à O. L'expression de K à O, ce n'est que MG sinus alpha. Donc, cela va nous donner MX de point plus MG sinus alpha plus KX moins MG sinus alpha égal à Z égal à 0. Alors, MG sinus alpha moins MG sinus alpha va repartir. Donc, j'obtiens l'équation différentielle du mouvement qui est X du point plus K sur M, X égale à Z égale à 0. Donc, vous voyez bien qu'on arrive à la même équation différentielle du mouvement d'un oscillateur ou bien d'un pendule élastique horizontal. C'est la même équation. Donc, soit le pendule, qu'il soit horizontal ou qu'il soit incliné, toujours je parle de cas libre sans frottement, on arrive toujours à la même équation différentielle et la solution sera la même. Alors pour T0, donc on calcule T0, donc c'est ce genre d'équation différentielle aura la même solution, on a déjà discuté, donc la période sera la même que l'autre. Donc, T0 sera égal à 2T racine de M sur K. Si on fait l'application numérique, on va obtenir la même valeur, qui est 0,6 secondes. 0,6 secondes. Et comme ça, on a terminé avec ce genre de problème. Ce qui est important, c'est de vous montrer que soit l'oscillateur de ce type-là, qu'il soit horizontal ou qu'il est incliné, on arrive au même résultat, donc le mouvement sera le même et aura la même période. Donc elle va osciller avec une période égale à la période dans le cas où il est horizontal. Alors maintenant, on passe au troisième cas quand il est vertical et on va voir ce qu'on va trouver dans ce cas. Alors, passons au cas où le pendule est vertical. Là aussi, va être un petit peu complexe, mais on va essayer d'expliquer tout étape par étape. Alors, toujours, l'état de référence pour l'énergie potentielle de pesanteur, c'est le plan horizontal, le sol. Et l'origine pour l'énergie potentielle élastique, c'est à Z égale à 0. Je prends l'axe de Z vers le haut. À T égale à 0, on déplace vers le bas une distance XZ, X0. Donc l'état d'équilibre, c'est là. Donc je déplace avec un certain X0 et je passe. Là, je repère la position de M à chaque instant par Z de M au cours du mouvement. Alors, elle me demande tout d'abord l'allongement à O, aller à l'équilibre, c'est-à-dire cette partie-là. Alors, toujours pour étudier l'équilibre, donc on utilise les conditions d'équilibre. La somme des forces égale à Z égale à 0. On a deux forces, le poids et T, appliqué par le ressort. Alors, on va écrire la condition, donc P plus T égale vecteur. Donc, je peux tout d'abord exprimer P et T vectoriellement, et après, je vais faire les projections.
Alors, pour perdre, on va cliquer un petit peu étape par étape pour comprendre. Alors, ça sera égal à moins mg dans le sens de bras. Donc, ça sera moins mg, moins mg. Alors, pour R, ça sera égal à moins k. Donc, je vais l'exprimer en fonction du vecteur A à O. Donc, A, O, c'est vers le bas, avec le moins, on va donner vers le haut. Donc, ça sera moins k, A, A. Victorieux. D'accord? Donc, c'est bien. Donc, A, O, c'est l'allongement à l'équilibre. D'accord? T, c'est dans le sens de K. Il est évident, puisque A, O est dans le sens inverse de K. Donc, je peux l'écrire d'une autre manière. Je peux l'écrire de moins K. Donc, je fais le module de A, O, comme ça. D'accord? Donc, ça sera dans le cas, le module de AO, mais dans ce cas-là, ça sera dans le moins dans le sens inverse de parce que AO, il est dans le sens. Donc, je peux l'écrire de cette façon-là, qui est égal à AO fois K. Elle est évidente. Donc, A aussi l'allongement, et K, et bien sûr, vecteur unitaire K vers le haut, donc T a le sens de K, il n'y a pas de problème. Alors, dans ce cas-là, je peux faire mes projections facilement. Alors, dans ce cas-là, je peux écrire que la projection de P, ça sera moins mg, c'est bon, vers le bas, donc moins mg. Pour T, c'est la projection sur OZ, hein? T sur OZ. Donc, pour la projection de T, va nous donner plus K, A, O. A, O, ici, distance, hein, distance, A, A. Bien, la valeur absolue de l'allongement. Il va être égal à 0. Donc, comme ça, je obtiens directement l'allongement A, O, égal à Mg sur K. Et je fais l'application numérique pour trouver A, O, distance. Donc, pour l'application numérique, et je trouve 9,8 cm. Quand vous faites l'application numérique, faites attention aux unités de M, M système international, G en système international, là aussi au système international. Alors, ça c'est pour l'expression de l'allongement. Donc, on a trouvé l'expression de l'allongement. Alors, je vais effacer ça. Pour recommencer la deuxième question B, l'énergie mécanique. Alors, pour l'énergie mécanique, donc, c'est facile. Alors là, c'est au cours du mouvement, c'est-à-dire on parle de ce cas-là. On ne parle plus de l'état d'équilibre. Donc, on écarte le solide S de sa position d'équilibre, qui est quand on prend Z égale à 0, hein, et on écarte vers le bas, avec l'étude maximale, avec un allongement maximal, et un allongement maximal x0 égale à 2 cm. 2 cm. Alors, dans ce cas-là, l'énergie mécanique a pour expression l'énergie cinétique, qui doit être égale à 1/mz². Alors là, j'utilise z, parce que le mouvement se fait selon l'axe au Z, donc j'utilise Z au lieu de X. Mais ça rien ne m'empêche de prendre l'axe X là aussi comme ça. Donc plus l'énergie potentielle élastique, alors l'expression de cette, ça sera 1/2 K, donc il faut faire bien attention à delta L au cas. Au carré, delta L au carré, après je vais expliquer ce delta L là, combien c'est l'allongement. Donc on a déjà trouvé l'expression d'allongement dans ce cas-là. Dans ce cas-là, mais là, l'allongement ce sera A1N. Donc je vais l'écrire directement. Donc l'allongement dans ce cas-là sera A1N en valeur algébrique. D'accord. Alors, plus x prime
tout d'abord cette énergie-là, donc ça sera égal à mg. Alors dans notre cas, latitude, voilà l'altitude par rapport à cette position, c'est-à-dire de B jusqu'à cette position M. Donc ça sera BB. Ça sera BB, l'altitude par rapport à l'axe horizontal, comme on a fait tout à l'heure sur le rond pour. Donc il est évident dans ce cas-là qu'il va être positif parce que l'état de référence est là et on se trouve, le soleil se trouve au-dessus de l'état de référence, donc il aura une énergie potentielle de profondeur positive. Alors, pour ce BM là, on peut l'explorer, donc ça sera BA, donc bien BO, moins GGO. G moins M. Donc ça sera égal à MG. D'accord? Donc MG fois. Donc je vais écrire ça explicitement. Donc ça sera BM. Donc BM, ça sera BO moins M. Moins M. C'est-à-dire de là jusqu'au là, moins ça. Donc là, restez. Donc c'est bon. Donc faites bien attention ici. Si vous faites les valeurs algébriques, si vous utilisez les valeurs algébriques. Alors, MO, donc ça sera MG, qui va être égal à MO, c'est OM, moins BBO. Bien plus. Plus PO, qui va nous donner, donc PO, c'est moins OB. C'est moins OB. C'est moins OB. D'accord? Donc, je vais laisser ça comme ça. Donc, va donner MG, OM. OM, c'est ce qu'on va dire, Z. La position du soleil par rapport à O, ça sera Z. Donc, ça sera Z, moins O, moins OB. Donc ça c'est pour l'énergie potentielle de boson. Alors maintenant, je veux écrire l'expression de M. Ça étape par étape pour bien être en forme avec les données d'exercice et les orientations. Alors comme je vous ai dit au début, les choses vont un petit peu se compliquer. Alors pour AM, je peux l'écrire sous la forme, donc j'écris ça. Donc AM, c'est quoi? C'est AO plus ON. Plus ON. Donc ça sera plus MG fois Z moins O moins OB. Alors pour OM, là aussi, OM c'est Z. Donc je peux remplacer directement par Z pour exprimer le tout en fonction de Z. Alors là c'est l'expression maintenant de l'énergie mécanique. Alors pour la question qui suit, l'équation différentielle. Alors pour l'équation différentielle, pour trouver l'équation différentielle, c'est la même méthode. On n'a pas le photon, donc la dérivée, donc on reste constante. La dérivée de l'énergie mécanique par rapport au photon égale à 0. Donc je dérive cette expression directement. Donc 2 avec 2 va donner mz point z2 de point plus. Donc là j'ai oublié au carré, hein. Toujours c'est au carré pour l'énergie. Donc j'oublie toujours moi cette expression. D'accord, oh, j'ai écrit ça. Donc ça sera AM au carré, c'est bon. 2 avec 2, donc ça sera A, AO, plus Z, d'accord, fois Z point. Z point, plus MG, Z point, égale à 0. Alors là, j'exploite ça, donc je mets en facteur z point, donc ça sera mz point plus kao
plus KZ plus MMG égale à 0. J'ai factorisé avec Z point et j'ai pris seulement ce facteur-là. Donc je peux écrire ça de cette façon-là. NZ point plus KZ plus KAO plus KAO plus MMG égale à 0. Alors KOA, donc on voit bien OA vers elle est posée, elle est positive. Donc c'est dans le sens de K. Donc il est égal à moins, donc KOA c'est moins MMG. C'est moins MMG. KOA c'est moins MMG. On a déjà vu la question numéro 1. Donc ça sera, et là donc ces deux expressions vont partir, et donc il va me donner MZ de point plus KZ égale à Z égale à 0. Et j'obtiens directement l'équation différentielle K sur M fois Z égale à Z égale à 0. Donc on voit bien qu'elle est de la même forme. D'accord? Donc faites bien attention à cette remarque-là. Donc KAO, dans ce cas-là, il est négatif. Donc ça sera moins MMG. C'est moins MMG. C'est bon? D'accord. Donc ce qui est important ici, c'est qu'on arrive à la même équation différentielle. On a vu pour un pendule horizontal ou bien vertical, donc on arrive toujours à la même équation différentielle de la même forme. Donc la solution, c'est un oscillateur Ramon, c'est une équation différentielle d'un oscillateur Ramon harmonique d'un pendule. Donc vous voyez bien pour le pendule, bien sûr on parle toujours du pendule libre, sans frottement, on arrive toujours à la même équation différentielle. Alors, pour la période, alors là, c'est de la même manière. La période, vous voyez bien, d'après cette équation-là, on arrive toujours à la même relation de racine de M sur K qui est égale. Et si on fait l'application numérique, on arrive au même résultat que les deux exemples précédents. Donc ça sera toujours 0,2. Donc vous voyez bien, parce que la période ne dépend pas de l'état de la position du pendule, elle dépend seulement des caractéristiques du pendule, la masse du solide et la constante du fluide. Donc dans le cas général, pour un oscillateur harmonique, bien sûr, T0. Quand je parle d'un oscillateur harmonique, c'est-à-dire un pendule qui est libre et sans frottement, toujours il a la même expression T0 égale à 2P racine M sur K. Alors, on arrive à la fin de cette partie-là, consacrée au pendule élastique. Il est un petit peu pénible, mais si vous faites un petit peu attention et vous avez bien compris comment exprimer la force de rappel D, et vous maîtrisez bien les projections et vous vérifiez bien tout ce que vous faites physiquement, vous ne trouverez pas de problème. Merci à vous et on se verra, inch'Allah, pour le pendule de torsion et le pendule posant pour deux exemples d'application. Salam alaikum.